Bye bye nuages, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Allô, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous pouvez voir, on a changé de décor. C'est le temps de le petit voyage annuel dans le Québec avec mon père. Cette année, on se va faire le tour du Saguenay. Donc, on vous amène avec nous en randonnée, faire le tour du Saguenay. Fait que, bienvenue! Allô! Ok, on vient de revenir de pique-niquer. On s'est arrêté au parc de la Jacques-Cartier, genre 2 heures avant Chicoutimi. Puis, c'est ça, on est allé prendre un petit pique-nique de sandwich, quelque chose de relax. Il pleut, puis il y a full de mouches. Ça, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais, honnêtement, c'est quand même une belle journée, là. Puis, c'est ça, les mouches, il va tout en avoir. Puis, il annonce aussi de la belle température pour le reste de la semaine. Fait on garde le sourire et la motivation. On sait pas trop si on va faire comme une petite randonnée à peu près de 1 heure, là. Vraiment, quelque chose de, juste pour se dégourdir les jambes parce qu'on a quand même bouffé de la route. Si on est parti ce matin, vers 7h. On s'est loué une petite voiture, genre une petite Toyota Yaris, là, puis ouais, ça se passe super bien, là, c'est vraiment, c'est super beau le Québec, là, honnêtement, je vous encourage tellement à vous faire des petites expéditions à travers le Québec au moins une fois par année. C'est une tradition un peu avec mon père maintenant, là. Donc, bienvenue dans l'aventure. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer, des gens sa plage à colorer, brun foncé ou rouge brûlé. Si en plus de tout ça tu veux bien, sécher ma portion de Colombien. Je te donnerai de quoi manger, des larmes d'amoureux attristés. Soleil à demain matin, j'organise un pique-nique party, j'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. Hello, ok, on vient d'arriver à Chicoutimi, on a check-in dans notre chambre d'hôtel, c'était vraiment bien. Là, on s'en va juste explorer un peu Chicoutimi, trouver un petit endroit pour casser la croûte, puis trouver des options vegan aussi, parce que, ouais, je sais pas si ça va être difficile, là, mais je vais peut-être vous montrer un peu où est-ce qu'on va manger, mais je pense que je vais pick up le vlog demain matin, parce que je commence à être un peu fatiguée, là, c'était beaucoup de route, puis c'est une petite fin de soirée, relax, puis on se revoit demain. La, 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 la. On est présentement au parc du fjord du Saguenay. C'est super beau, je vais montrer la vue derrière moi. On est en train de traverser un pont. On va faire une petite
randonnée matinale. Relax, relax. Puis après ça, on va se diriger vers Tadoussac en après-midi pour aller visiter un peu. On vient d'arriver sur une espèce de petite plage, c'est tellement beau. Faut que je vous montre ça, c'est... What the fuck, c'est magnifique. C'est juste trop beau, comme regardez ça. Il y a des spots de camping, là, ça m'en est, vous êtes dans de l'écran. Vous faire une petite... Okay. C'est dans de venir vous baigner ou si vous êtes dans de juste faire un petit trip de camping, là, genre excusez, là, comme c'est malade. Là. Oh my god. Allô! Ok, on vient de revenir de notre petite marche. Là, on se dirige vers Tadoussac pour se trouver un petit endroit où de luncher, pour aller visiter un peu. On n'a pas vu des belugas, mais on a espoir d'en voir à Tadoussac. Donc, c'est vraiment beau. Je vous conseille full de venir au parc du Fjord du Saguenay faire une petite randonnée. Là, c'est populaire, mais ça vaut vraiment le détour. On vient de me dire que ça s'appelle le parc marin du Saguenay, finalement. C'est quoi la localisation? Genre, c'est parc marin du Saguenay. Marguerite quelque chose? Baie-Sainte-Marguerite. C'est l'entrée de la Baie-Sainte-Marguerite. C'est l'entrée de la Baie-Sainte-Marguerite. Fait que, tips and tricks. Tous les chemins mènent en enfer, mais quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire de vos conceptions. On a été manger dans un petit café super cute sur une rue. Quand même passante à Tadoussac, pas du tout de difficulté non plus à trouver des options vegan en date, ça c'est fucking nice. Là on est, il pleut, mais on est sur une espèce de rive comme ça, avec le rush, c'est l'endroit parfait pour observer les baleines et les bélugas. Si j'en vois, je vous fais signe premier. Bon matin, ou j'aimerais dire plus bon midi. On est rendu au lac Saint-Jean. On va faire le tour d'un parc. C'est quoi le parc? C'est Pointe-Taillon. C'est ça. Ouais, chercher tout à l'heure. Puis on va peut-être faire du vélo, on va peut-être marcher. Le lac est full beau, c'est une full belle journée. Il fait un peu frisquet, mais le ciel est super beau. Puis on est en train de prendre un petit. Oh! En train de dîner avant de commencer à visiter le parc. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment cute. On a eu une idée. On s'est loué un tandem. Ça va quand même bien, honnêtement, je sais pas. Ouais, fait qu'il y a pas d'équilibre, c'est plus stiff, mais honnêtement, ça le fait. Je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt. Et même si, parfois, il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute. Parce que la vie, sans toi, s'enligne pour être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Je vais marcher. Et si
vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt. Bon matin! On est le troisième jour de notre petite trip, quatrième jour, de notre petite trip dans Saguenay. Aujourd'hui, on s'est levé quand même pas trop tôt, normal, puis on est allé voir une exposition de Arthur Villeneuve, qui est un peintre de Chicoutimi. C'est une super belle exposition, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est à la pulperie de Chicoutimi. Donc on vient d'aller voir ça, c'était vraiment grave, je ne pouvais pas filmer à l'intérieur, mais je vous recommande fortement l'exposition, c'est super intéressant. Après ça, on va s'en revenir pout-pout tranquillou vers Montréal. S'il y a des trucs intéressants, je vais vous le montrer, mais sinon je pense que c'est la fin de notre petite aventure ensemble dans Saguenay. J'espère que vous avez vraiment aimé ça, que vous avez pu découvrir un peu la région, puis que je vous ai donné le goût aussi d'aller découvrir le Québec, puis toutes les beautés que le Québec a à offrir. Donc c'est ça, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, puis je vous aime fort, n'oubliez pas de liker et commenter et partager avec vos amis si vous aimez. Ah, puis de subscribe! C'est bon, bye!